Merci. Tout ce que vous avez fait. Alors vous êtes gentil. Quel beau, beau, beau magasin. Merci pour tout ce que vous avez fait pour les petits commerçants. Alors qu'est-ce que vous faites là? Là, nous, moi, je suis marchand de thé. Ah, c'est merveilleux. Voilà. Il y en a combien des marchands de thé? C'est une langue universelle. Ouais, beaucoup de marchands de thé. C'est un produit qui se consomme de plus en plus. Le thé, c'est vrai. De plus en plus. C'est bien. Ça progresse. C'est vrai. Je bois tous les matins. Ah, il faut que je me batte plus. Bon, d'accord, je vais prendre plus de thé. Alors. Hein. Pas tout d'attaquer, de critiquer, de dire du mal. D'ailleurs, d'abord, si ça lui fait du bien de dire du mal de moi, je suis content, parce que ça le soulage. Ce monsieur, il en a certainement besoin. Mais pour les Français, ce serait plus intéressant de connaître ses idées, ses propositions. Hein, parce que franchement, c'est ça qui compte. Et puis après, les Français choisiront, leur choix sera le bon. C'est un accueil merveilleux, c'est exactement ce que je voulais. Le contact direct, c'est un protocole où les gens puissent dire ce qu'ils ont à dire. Et au moins, je puisse leur parler, échanger avec eux. Tout seul. S'il vous plaît, vous êtes mignon, hein. Tout ce qu'elle dit, c'est mignon. Merci, monsieur le président. Bonjour. Sans les perches. Qu'est-ce que vous avez à me reprocher en France?